ici une petite culture. Petite chose avant la vidéo. Elle dure dans les 30-40 minutes. Je vous conseille de la regarder en plusieurs fois, parce que 40 minutes, c'est long. YouTube garde de toute manière votre temps de visionnage. En gros, si vous quittez la vidéo, même en plein milieu, le temps visionné sera sauvegardé et la vidéo recommencera là où vous l'avez arrêté. Sur ce, bon visionnage! Et salut à tous, ici NTT316LDT, bienvenue pour la troisième partie de Animators L. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour les fameux 6 derniers. On va tout de suite tous activer et qu'on va essayer de traduire. Je sais, je suis assez longue à traduire, mais bon, tant pis. Donc, on a lui. Alors, il est sur la cam 11. Désactivé. Oh ! Il faut cliquer sur sa petite montre qui se trouve sur lui, certainement. Et il faudra faire en sorte qu'elle soit synchronisée à l'heure du jeu. Sinon, jumpscare. Merci. Fun time Foxy. Super. Ah, là on a un duo. Alors, BW1. Ça doit être ça. Donc il monte les escaliers à la cam 8B. Utilisez le caméra d'icône, donc comme lui. Pour éviter qu'il monte. Si jamais il arrive dans l'office, il va activer les toxines. Et ça va activer George, qui est l'autre. Donc il va. George, lui, il apparaît sur les caméras. Utilisez le caméra beacon, donc comme son copain. Pour faire en sorte qu'il s'en va. Si jamais on reste trop longtemps sur sa caméra, jumpscare, enfin bref. Si jamais lui, là, le premier, n'entre pas, c'est bien. Oula, j'ai... Bon. Ici. Donc, Valentina. Elle va courir tout le long du bureau. Et il faut juste fermer la porte. D'accord. Bon, pour l'instant, il y a une caméra ici, ici. Ici, il y a une porte. Donc, il faudra quand même souvent que je ferme la caméra. Ouais. The plan. Oh, Pac-Man. Alors, il va aller toute la... Ah, de temps en temps, chaque nuit, on aura un petit jeu Pac-Man qui va arriver sur le desk monitor. Ça doit être le truc au milieu. Il faudra utiliser les flèches. D'accord. Va sur un fantôme ou prend trop longtemps à trouver un objet, visiblement on perdra. Half Skull. Là, c'est ça, Half Skull. La moitié d'un crâne. Une image de lui va arriver de façon random sur les caméras. De façon aléatoire. Si on switch la caméra. Ne le fera pas partir, il faut juste le flip down, donc pour l'enlever, le désactiver la caméra. Si on échoue, il va arrêter la caméra, il va arrêter la vision de la caméra. Et tous ces petits composants, par exemple les machins beacon, ça va être embêtant, je vais pas t'aimer. Et toi, Brady. Alors, il va arriver sur la left vent pour pouvoir arriver à l'office. On voit pas les ventilations. Faut que je vois les contrôles au niveau du téléchargement. Alors
Il faut juste le traquer. Si jamais on n'est pas assez rapide pour le bloquer, on meurt. D'accord. Et plus donc le building est chaud, pire c'est. Pire c'est parce qu'il ira plus vite. Ouais. Bon, c'est parti. Alors, ah, shift toggle map, enfin map toggle juste ici. D'accord. D'accord. Donc rappel, on a les deux ports, donc c'est Q et E. Les deux ports, Q et E. Le moniteur. Et c'est tout. Ah non, les arrows aussi, les arrows, les flèches. Les flèches directionnelles. Me contraint. Alors shift. Ah donc normalement il devrait arriver ici, d'accord. Je vais. Ah donc c'est toi le premier. Dodo. D'accord, donc j'ai deux caméras à savoir. Je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer, je me suis trompée de touche. Ah, bon. On recommence. Je l'ai vu passer. Ah, ça va être compliqué. Tu n'as pas idée. Donc c'est cette caméra ici et cette caméra là. Faut que j'apprenne à jumeler. Non. Attends, c'est comme 11. C'est bon, il est synchronisé. Oh la vache, ça va, je peux l'entendre. Mais il faut impérativement que... Oh non. Oh non. Now I'm taking back the crown. Je vais pas aimer. Je vais souffrir. Ah, la vache. Donc, la cam 11, la cam 8B et cette cam là. D'accord. Il y a 4 caméras, 3 caméras à savoir les portes et ça. C'est bon. Ah, c'est stressant. Moi, j'ai jamais aimé les choses qui courent vers moi. C'est... Merde. Par là. Je pensais pas ça. Everyone runs out of one-ups eventually. Isn't that right? J'aime pas Pac-Man. Aimé. Alors. Là-haut, d'accord. That you don't feel so invincible now. Sans commentaire. Là-haut. Mais je voulais le suivre. Oh, you were so close. Exactement, j'étais si près. Les deux lames font paniquer. Bon, c'est parti. Restons concentrés. Faut que je réussisse. Cam 11 pour le moment, je m'en fous un peu. Voilà. Ça
Voilà. C'est bien. Yes! Bravo, t'as réussi à Pac-Man. Ah, voilà. Voilà, dodo. Oui, dodo. Quoi? Voilà, lui c'est bon. Il était à sa dernière phase, je pense. Everyone runs out of one-ups eventually! Isn't that right? Voilà. Exactement, mais... C'est fini. Je sens que je vais faire... Je vais faire une solution qui me paraît vachement risquée. Qui te permet la première ventilation. Et vraiment me concentrer sur les autres. Parce que visiblement, il ne vient que par cette-là. Hein, d'après ce qu'il dit... Through the left vent. In order to reach the office. Ouais, c'est ça. J'ai fermé la porte. Est-ce que j'ai Did fermé you miss me? No. Good. J'étais en train de parler. J'étais en train de parler. Dodo. Welcome back. Did you miss me? No. Good. Zen. Attentive. Ah, oh, you were so close. Bet you don't feel so invincible now. C'est super. Arms up. Je peux pas faire deux choses à la fois. L'autre est dans. Je sens que je vais faire 3 par 3 à la limite. Parce que. On va retenter. On va retenter. Tu m'as pas eu, Tu m'as pas eu, c'est ton copain, On va faire 3 par 3. Bouh, bah ouais, écoute. Moi, ça me fait concentrer sur 2 caméras, j'ai pas switché. Donc, j'ai juste ça à faire. Voilà, juste ça, et regardez là, rien de plus. I love looking at your eyes, locked and frozen with fear. J'allais changer l'heure. Bon, on va se concentrer.
suis concentré sur l'heure, je suis désolé, je ne commande pas beaucoup là. C'est pas terrible. Ah bah, hop, parfait. Voilà. On est bien. Ouais, je sais, je vous avais promis de faire les 6 en même temps, mais non. Juste. Non. Je veux dire, si je veux que ça soit un minimum court et que ma santé mentale aille bien après. J'aime pas être sur même. On aime. C'est bon, tout va bien. Je pourrais faire 3-3, hein, c'est vrai, ça sera mieux. 3-3. Toutes les 6 en même temps. Petit problème. Non, toi c'est bon, tout va bien. Petit problème de panique en cours. Bon allez, c'est temps que tu passes à 3h là quand même. Allez, passe à 3h. Merci. Ah. C'est calme, c'est bien. On peut souffler. Hey! C'est pas quand je dis que on peut souffler qu'on se calme. Pas qu'on vient. Au contraire, faut rester calme. 41%. Bon, c'est vrai que je ferme les deux portes. On va dire par instinct. Voilà. Ouh, 30%. Ouh, 30%. Quatrième, il est bien. Ouais, tout le monde est bien changé. Ah! S'il te plaît. Va dodo. Allez, cinquième, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Oui! C'est bon. Toi, tu retournes chez toi. Ouh, 15%. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud, patate. Ça va être chaud, patate. Ça va être chaud, patate.
pense pas le tourner à 6 a.m. quand même. Je pense pas. Et que ça s'arrête. Ouais! C'est réussi! Enfin, presque. Oh là là. Bon, allez, on va enchaîner sur les 3 derniers. Comme ça, j'ai juste une ventilation à savoir. Une caméra. Bon. Lui, il sera plus ou moins effectif. Et le mini-jeu Pac-Man. Voilà. J'en ai pas d'autres. C'est parti. Donc juste cette caméra ici. Et les arrobes. Now I'm taking back the crown. Bah tiens, je te la rends tout de suite. Y'a pas de problème. Ah, intéressant. Là, en gros, ils disent que on va dire des safe spots sur le jeu Pac-Man. On peut y rester pour s'occuper d'autres animatroniques, sauf que... Ouais. 1, 2, 3, soleil. Et 4e, 50%. Bon. Mais bon, je vais pas ouvrir ma bouche et dire c'est bon, tout va bien. Parce que le jeu sait très bien me mettre des bâtons dans les roues. N'importe quel jeu. Là, je sais pas pourquoi elle me manque la pixel. Ah! Bon, allez. That you don't feel so invincible now! J'étais à 4e, bientôt 5. Voilà! J'ai ouvert ma bouche! C'est ce qui se passe quand on ouvre sa bouche. You don't feel so invincible now. J'en ai marre de mourir à cause de lui. C'est limite. Je sens que le karma va me retomber dessus, mais c'est limite à la fois trop simple et trop compliqué. À cause notamment de ça. Comme je suis pas. That you don't feel so invincible now. Je pense que j'ai fait toutes les voice lines. Hein. C'est à la fois trop simple, parce que bah, il y a des longs moments de blanc où on peut rien faire. Mais quand ça arrive, ça fait mal. Ok, passe pas par là, passe par là par contre. Mais j'ai appuyé sur bas. On continue jusqu'à temps que j'ai pas fait la dernière nuit avec ça. Je n'arrête pas. Rien de si vrai. Nuit 150. Aucun progrès pour l'instant. Je peux vérifier 2 minutes 2 secondes s'il te plaît Pac-Man. Now I'm taking back the crown. Comme je te l'ai dit, tu la prends quand tu veux ta couronne. Tu la prends quand tu veux. Voilà. Tu m'embêtes pas.
you were so close. Je vais me taire. Je vais me taire. That you don't feel so invincible now. Je hais ce Pac-Man. Now I'm taking back the crown. But you don't feel so invincible now. No. Non, c'est que tu putes. Je suis sûr que je pouvais tâter la sortie. Hello, c'est encore moi. Durant cette dernière tentative, je ne parle pas, tant la tension était palpable. J'ai remarqué avec du recul le véritable problème. Il venait tout simplement des Pac-Man et non des caméras. Je ne parle pas de bugs, bien au contraire. C'est bien codé, tout se passe bien. Mais plutôt de mon manque de dextérité pour ce genre de jeu. En soi, il n'est pas compliqué. Mais je vous conseille, si vous y jouez, de votre côté, de vraiment pas vous précipiter. Apprenez les patterns des fantômes, car les fruits à récolter se trouvent dans 4 spots différents. Le temps est largement suffisant pour apprendre et anticiper les gestes. Du coup, pour éviter de vous montrer cette partie en entier, ce qui serait barbant, je vais plutôt la raccourcir et mettrai la version entière en description pour les plus téméraires. Allez, je vous laisse pour la conclusion. Yes! Enfin! Oh mon dieu. Oh mon dieu. J'ai cru jamais y arriver. J'étais si concentrée. Enfin. Bon, je peux les considérer tous comme faits. Enfin, ah, il y en a que 3, mais la vache. Oh, toi, je t'aime pas. C'est enfin fini pour la partie 3. Que dire, que dire? À part enfin. J'ai pas beaucoup parlé, je sais, ces derniers temps, mais bon. Je peux considérer que, comme tous les animatroniques ont été faits au moins une fois, leur mécanique, je peux considérer comme le jeu entre guillemets fini. Peut-être que je reviendrai dessus, peut-être pas. Ça dépendra. Pour conclure, ce jeu est grandiose. Je le trouve assez challenging. Il donne pas mal de challenges. Les animatroniques présents sont très beaux. Quelques bonnes idées aussi. Certaines mécaniques sont assez embêtantes, ça pour moi. Mais méritent vraiment. Hein, par exemple, E2, je trouve une mécanique assez sympathique. Celui-là. Bon, c'est une totale, vous allez me dire, mais.
Voilà. J'aime aussi sa mécanique à lui. À lui aussi. Même si c'est lui qui m'en a fait le plus baver. Ah non, y a pas à dire. Ce jeu est bon. Et j'ai hâte de voir si jamais un jour il terminera. Cela dit, afin de réveiller vos petites papilles, enfin peut-être... Avant ce jeu-là, il existait une ancienne version de ce jeu. Animators L. Une ancienne version, une ancienne démo. Je vais peut-être y jouer. Ou, ça sera à vous de voir. Si vous voulez que j'y joue ou pas. Je jouerai également au jeu que vous me demanderiez. Au jeu FNAF que vous me demanderez. Je suis enfin soulagée. J'oublie vraiment de terminer en beauté. Bien. Moi aussi j'aime bien ce mec. Que dire à part, franchement, tester ce jeu. Il est peut-être plus facile que ce que je pense. Peut-être. Peut-être plus difficile. Je sais pas, ça vous voit. J'aime énormément les clins d'œil. Que ce soit aux animatroniques. Que ce soit au background. Enfin, moi, je vois directement une inspiration du background de FNAF 4. Côté rouge. Les animatroniques sur les côtés. Les animatroniques sur les côtés, tout ça. Avec le... auquel on voit qui ressort bien leurs dents et leurs... Et franchement. Beau travail à celui qui a fait ce jeu. Je l'encourage vivement. Le lien est encore une fois dans la description. Mais vraiment, conclusion du jeu, très bon jeu. Même si c'est un UCN, c'est l'un des meilleurs UCN que j'ai joué. Bon, après, aucun détrône UCN, hein, mais que dire de plus. En espérant qu'il y aura... plus d'animatronique, hein, c'est le seul, on va dire, point noir que je peux mettre. Est-ce qu'il y en aura d'autres animatroniques? Ce serait pas trop mal, pourquoi pas, parce que franchement ça mérite. Ce que j'aime aussi, c'est le fait qu'on peut seulement soit l'activer, soit le désactiver. Il n'y a pas une histoire de niveau pour gratter des points. C'est soit tout ou rien. Quelques efforts aussi sur le menu. C'est vrai que je n'ai jamais présenté ça, mais... Le fait que... Je veux dire, là c'est flagrant. Là on voit une photo, là on en voit une autre. Là c'est pareil. Et mine de rien, certains sont vraiment effrayants, je veux dire. T'as pas envie de lui dire bonjour, lui demander l'heure. Là, t'es tout mignon, et là, ça l'est moins. Non, vraiment. Très bon travail. Très bon travail, j'encourage. C'était Entity 316 Updated. Allez, bye bye.